Salut les amis. Alors aujourd'hui, comme il a indiqué dans le titre, on va faire une petite vidéo sur le col de l'Espicoulier. Alors vous me direz, mais enfin, pourquoi faire une vidéo sur le col de l'Espicoulier? En fait, il n'y a pas 36 raisons pour ça. La première, c'est déjà que je trouve que c'est un col qu'on devrait beaucoup plus en parler, parce que c'est vrai qu'on l'a déjà vu souvent dans plusieurs vidéos de motovlogueurs, en l'occurrence celle de Marty, et comment en fait on n'en parle jamais. On sait bien qu'il y a des superbes routes, et c'est le cas, c'est un endroit de référence pour la plupart des cyclistes, des randonneurs, des motards. Mais alors ce qu'on ne sait pas aussi sur le col, c'est que c'est un endroit où on peut vraiment faire des rencontres sympas. Quand je suis venu tout à l'heure, j'ai pu rencontrer trois gaillards qui roulaient en bécane. Je suis arrivé au sommet, automatiquement ils sont venus. On a bouffé une crêpe ensemble, je les avais jamais vus de ma vie. Mais c'était vachement cool. J'ai trouvé ça vraiment bien et ça faisait vraiment partie de l'esprit. Je présentais un peu le machin et puis après je descendais, je faisais 2-3 kilos, je m'arrêtais à un autre endroit, je faisais des prises de vue, tu vois. C'est vraiment l'endroit, le site en lui-même. Un endroit qui est vraiment sympa, c'est le barrage de vue. C'est, tu prends, je sais pas si tu l'as déjà vu, tu prends une direction, je crois que tu fais 150 mètres de 100 mètres. Sur la droite, tu vois quasiment toute la route, tout le lacet. Et du coup, en fait, je me suis dit, tiens, ce serait peut-être cool de pouvoir faire une vidéo sur le col. Mais pas simplement parler du col comme un motard qui roule sur le col et où on sait que vraiment les routes sont géniales, qu'il y a des virolos de fou et que c'est du ballon de haut en bas. Je voulais parler du col, déjà pour vous montrer un peu l'environnement que c'est, mais de l'extérieur, donc en dehors des routes qu'on a, qu'on emprunte quand on fait nos vidéos. Mais en même temps, pour vous dire que on peut y faire de la randonnée, pas que de la moto évidemment. Et même si vous venez en voiture, une fois que vous êtes au sommet, vous avez une vue formidable sur le port de Marseille. Et ça, c'est pas mal. Alors évidemment, quand je dis qu'on peut rencontrer des gens sympas, c'est pas simplement que des motards qu'on peut rencontrer au sommet, histoire de se partager une crêpe ou une bouteille d'eau. Non, ça peut être aussi plein d'autres trucs, comme moto et motard. Moto et motard viennent faire leur test ici. Ça arrive, de temps en temps. Et moi, moto et motard, je les kiffe bien. Donc évidemment, rien que de m'imaginer de pouvoir passer là où eux font leur test, c'est déjà super cool. Enfin, moi, je kiffe. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la première année que je suis venu en moto chez Marty et qu'il m'a parlé du col de l'Espicoulier, je ne connaissais pas du tout. Et du coup, vu que je ne connaissais pas du tout, je me suis dit, tiens, c'est quoi le col? Et c'est comme ça que j'ai su justement que moto et motard venaient faire leur test ici. Et la fois où on était venu, donc il y a 3 ans, la première fois que j'étais venu, il restait encore des traces de run et de burn tout autour sur toutes les routes, et c'était justement des tests, des essais qu'ils avaient fait pour l'émission Highside, la première émission Highside. Et déjà rien que ça, en fait, je kiffais. Bon, après, je vais pas trop faire mon fanboy, je suis pas un malade non plus. Mais en tout cas, juste ça, c'était déjà cool. Maintenant, pour les petits côtés techniques que les gens ne savent pas sur le col de l'Espicoulier, c'est simple, je prends mes cours. Faut savoir en fait que le col de l'Espicoulier, c'est quand même le col routier le plus élevé des Bouches-du-Rhône. Ça, vous le saviez pas, je suis sûr. Alors, il culmine à 723 mètres d'altitude, c'est pas mal non plus. Et c'est un col de référence, comme je vous le disais, pour tout ce qui est cycliste, randonneur et compagnie. On peut faire plein de trucs ici, c'est vraiment génial. Ensuite, ils nous disent qu'il y a deux versants. Il y a un versant qui démarre de Gémenos, qui vous propose une ascension de 11 km. Avec 770 mètres de dénivelé et une pente moyenne de 6,1%. Ça vous parle peut-être plus à vous qu'à moi, mais bon. Je me disais que vu qu'on est là pour parler du col, c'est bien de quand même parler des détails du col. Du pourquoi, du comment, de tchic-tchac, enfin voilà. Alors après, vous avez l'autre versant qui démarre de Auriol. Et Auriol, là en fait, c'est une pente qui vous propose 14 km de pente et 520 mètres de dénivelé. Et là, c'est une côte qui plutôt est à 4,6%. Voilà. Ça, c'était pour les petits détails qu'il fallait savoir. Donc, s'il y a certains cyclistes d'entre vous qui regardaient cette vidéo, ça pourrait peut-être vous aider. Nous, en moto, on s'en bat un petit peu les couilles, on peut le dire. Donc, voilà. Moi, là-dessus, je vais retourner faire un petit tour. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Là-dessus, je vous laisse sur ces formidables petites images. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!
Then the sun will deal. Then the sun will shine. Then the sun will deal.